Nous prions. Seigneur, est-il possible d'une part de te dire merci dans une prière de louange, merci d'être pour nous un exemple, merci pour tes paroles de douceur et de paix, pour ta promesse d'être avec nous sur nos chemins de vie, de nous accompagner dans les bons et les moins bons jours? Et d'autre part, est-il possible de s'indigner et d'être en colère devant l'urgence qu'il y a à prendre soin les uns des autres, devant l'urgence qu'il y a à préserver notre planète, à revenir à plus de lenteur et de simplicité, à changer de regard, changer d'habitude, bifurquer à 180 degrés? Il y a encore de nombreux vendeurs et acheteurs qui obstruent ta présence, à commencer par ceux qui vendent le rêve de performance, de compétition, de consommation et de fric à tout prix. Tu dis au monde qu'il y a encore et toujours des espaces à nettoyer, à vider, afin que la justice soit relevée, que la paix soit semée, que la création respire un avenir serein. Seigneur, tu me dis aujourd'hui que dans mon cœur, dans ma vie, il y a de la place pour la douceur et l'indignation, pour le désir de paix et la prise de conscience, pour les temps de réflexion et ceux du passage à l'action. Amen. Écoutons le texte biblique, il est tiré du premier chapitre de la Genèse. Dieu dit, « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. » Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Dieu dit, « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. » À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre, qui a souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le sixième jour. Écoutons la méditation à propos de ce texte. C'est un texte qui est connu, il est même archi-connu. C'est le sixième jour et Dieu met un point d'orgue à sa création. Alors qu'au début tout était chaos et vide, voici qu'à six reprises symbolisées par des jours, Dieu donne un ordre au monde. Il lui donne une organisation. Au sixième jour, sa dernière créature est l'humain. Et pour être plus précis, deux détails qui n'en sont pas. Il les créa à l'image de Dieu, et puis, de toutes les créatures, ils sont les seuls à bénéficier de ce statut de proximité avec Dieu. Ensuite, une deuxième caractéristique, tout aussi fondamentale. Elle nous renseigne sur la spécificité de l'être humain. Hommes et femmes, il les créa, et leur statut est identique. En écoutant la suite, nous sommes quelque peu embarrassés. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Le terme utilisé est clair, il s'agit de soumettre ou alors d'asservir.
Nos oreilles sensibles à la crise écologique du monde contemporain ont de la peine à entendre de telles affirmations. Dans ce récit, nous sommes encore dans la création originelle. Alors, sans vouloir entrer dans le détail, chaque entité y joue un rôle particulier. La lumière, le ciel, les eaux, la terre, l'herbe, les animaux et enfin, les êtres humains. Remplissez la terre et soumettez-la. Poursuivons. Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. Alors oui, les humains se nourriront de graines et de fruits. Et les voilà végétariens, voire même végétaliens. Ils ne se nourriront ni de viande, ni de sous-produits animaux. Et les voici étonnamment proches de ce que l'on nomme aujourd'hui les véganes, un terme qui n'existait pas il y a de cela à peine 20 ans. Précisons encore, comme les humains, tout animal de la création est animé du souffle de vie. Ces quelques données permettent de mieux cadrer l'injonction « soumettez-la » en parlant de la terre. Voici une bien curieuse soumission qui ne permet pas de se nourrir de viande. À leur tour, les animaux se nourriront de toute herbe verte. L'ordre du monde, qui est sorti du chaos initial, assigne un rôle à chaque espèce pour que tout soit bon. Alors cette description ne correspond pas aux données de la simple observation qui, bien évidemment, nous dit autre chose concernant le régime alimentaire d'un lion ou d'un ours. Mais ce texte n'est pas un cours de biologie. Il veut nous expliquer autre chose. Et il ne nous demande pas de changer notre régime alimentaire en suivant telle ou telle règle. Il nous demande de respecter la création, et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre « soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Sans vouloir tordre le sens du terme « soumission » ou alors « asservissement », ce qui revient au même, constatons qu'il ne désigne pas l'exploitation aveugle des ressources animales ou végétales. Et nous pouvons ajouter l'exploitation des ressources minérales. Nous aurons alors une meilleure idée du contraste entre le projet divin et une certaine compréhension humaine de l'environnement. Car, aujourd'hui, tout est exploitable, à commencer par les êtres humains eux-mêmes. Et nous en sommes au stade où nous risquons le point de non-retour. Et les grands moyens sont nécessaires, ainsi que les petits moyens, pour éviter la catastrophe. Si nous voulons sauver notre planète, nous, pour qui la Terre appartient à la création, la dérobade n'est plus de mise. La déresponsabilisation n'est pas de mise non plus. On ne peut plus dire « oui, mais c'est au gouvernement de prendre des mesures, moi ». Je veux aller skier avec ma voiture, parce que voyez-vous, c'est bien amusant. Et puis, la dérobade inverse n'est pas de mise non plus. Moi, j'achète du bio, je mange sainement, et de toute façon, je ne peux pas agir sur les pratiques des industriels pollueurs, ni même les gouvernements qui autorisent l'utilisation des glyphosates. Il y a là un double piège à éviter, comme on peut le voir. Alors peut-être que ce petit excursus nous permet de mieux cerner l'expression biblique « soumettre la terre ». Cette création dont nous sommes les principaux responsables. Responsables, nous, pour que le monde ne retourne pas au chaos et au vide. Amen. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution et la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Nous prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous écoutons la bénédiction. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde aujourd'hui, demain, toujours. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Amen. Ta face, simples et purs comme un ruisseau, garde-nous tout petits devant nos proches et disponibles comme une eau. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos proches, simple chemin devant leurs pas.